ça partait dans tous les sens, à savoir que ce soit les enfants, ça me touche directement de les voir comme ça, ne pas avoir peur, monter sur scène et se dire on y va, rien que ça, moi déjà ça m'impressionne. Mais alors celui qui m'a fait le plus rire, bon c'est pas le plus peut-être incroyable, mais moi c'était le monsieur qui faisait sa musique avec ses... j'ai rigolé, j'ai pleuré de rire. C'est difficile, vous savez moi, on n'est pas jury, donc nous on a un avis juste consultatif sur cette émission. C'est-à-dire que moi ça a un peu d'intérêt de savoir quel talent m'a le plus impressionné. Après je me cache pas que tout le monde l'a eu, je vais faire un bisou à Mila, que je trouve formidable, qui avait chanté une chanson bien pourrie de Cascada, qui au départ est loin d'être quand même mon truc. Et là, elle l'a fait en acoustique guitare et franchement, c'était pas mal. Je ne pense pas, je ne sais pas chanter, je ne sais pas danser, voilà, comme... Non. Non. Raconter des conneries, ça je sais faire, mettre les pieds dans le plat ça aussi, mais je pense que ça n'irait pas très très loin. Est-ce que c'est un talent la cuisine, c'est un... Ouais, ça peut l'être, ouais, mais pas à mon niveau je pense. Disons que j'aime bien faire à manger. Il faut faire la différence entre quelqu'un qui aime bien faire à manger et quelqu'un qui a du talent en cuisine. Certainement pas celui de faire la cuisine, ça c'est sûr. J'en sais rien. C'est son talent serait, je pense, de vivre le moment présent avec beaucoup de recul. C'est-à-dire que par exemple, on la déguise en Olivia Newton-John, elle se pose assez peu de questions, elle est contente. Voilà, elle a la coiffure d'un caniche royal et elle est heureuse. Ce qui en gros n'est pas donné à tout le monde non plus. On a eu des numéros avec des caniches royaux d'ailleurs, je ne me moque pas, parce que dans Got Talent, on a découvert un truc que je ne connaissais pas qui s'appelle le dog dancing. Et je pense que je vais mettre au point un petit numéro avec Julie. C'est quoi ton talent, Jean-Michel ? C'est toi qui me poses la question. Oh, je sais, mais j'ai un peu du mal là. Non, mais son talent, c'est qu'il est toujours de bonne humeur. Tout ceci reste entre nous. Piou, 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 piou.